de certains bugs de jeu qui vont te bloquer les quêtes. Genre, t'as une quête où tu peux devenir loup-garou, tu vois, et à la fin, alors ça, c'est ça qui est drôle. C'est le scénario, genre, pendant tout le long, ils sont tous en loup-garou, ils ont l'air d'être fiers d'être loup-garou, tout ça. Leur chef meurt, bah en fait, j'aimerais bien retourner, redevenir humain, pour enlever la malédiction, je sais pas quoi. Tu fais, non, mais vous étiez fiers il y a 10 minutes, et là, vous ne l'êtes plus, tu vois. Et en fait, ils font des quêtes, ils font des quêtes, ils font des quêtes. Ils te font faire des quêtes, tout ça, et à la fin, il dit, bah, en fait, j'aimerais bien être guérir de ma maladie, on va dire, tu vois. Ouais. Et dès que t'es prêt à y aller, bah, soit dès que tu sors de la porte, et ben, il dit, bon, bah, salut, hein. Puis il fait sa vie. Tu fais, ok. Le truc incompréhensible. Oh là, c'est toi qui fais ça? T'as lien. Oh, je sais même pas où je suis. J'avais même zappé la tenue de mon personnage. Mais il est très beau comme c'est dit, non? Ah, par contre, je suis à 0 et en dessous 1400, c'est que. C'est que j'ai. Ah. Oh, ça. Ah, ok, ouais, ça. Ok, c'est bon, j'ai récupéré. J'ai tout récupéré. Allez. Est-ce que je m'attaque au gros? Ouais, j'essaie de m'attaquer au gros. Il n'y a que lui. Ah bah non, il y avait pas que lui. Il y avait pas que lui. Ah, je vais mourir. Sérieusement. Le surchauffe se produit lorsque les dégâts se font, de feu s'accumulent. Vous avez j'ai des dégâts de feu. Okay. J'ai juste récupéré que j'ai perdu, j'ai augmenté un peu mon truc. C'est vrai que moi j'ai les espadons, enfin les espadons radames. Non, c'est. J'ai l'arme d'un boss et j'utilise même pas alors que je la kiffe. Tour de force, moi. Alors, j'allais aller à la mairie. Ça, c'est quoi? Il faut toujours repartir à la mairie pour augmenter tes stats. Assembler des armes, utiliser le stockage, téléporter vers un autre. Genre, t'es obligé de. Hein?
T'es obligé d'aller à la mairie à chaque fois pour augmenter, enfin pour augmenter tes stats. C'est un peu chiant. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu le truc chiant Du de jeu. Lies of P qui est pompé sur Bloodborne, hein, en fait. Ah ouais? Pour augmenter tes stats sur Bloodborne, il faut que tu retombes tout le temps dans le rêve du chasseur, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Je crois que je devais aller chercher ma copine. Ne me dis pas. Mais du coup, tu peux quoi? Mais Lina répondait à ton commentaire. T'en as une, c'est Jeanne Brême. En ce moment, elle sort dans mes pour toi sur TikTok. Et la meuf, elle fait toujours des trucs. Un peu dépressif, machin. Enfin voilà, tu vois. Et là, en fait, t'en as une, elle a mis en commentaire. Aujourd'hui, j'ai lu, les femmes brisées savent comment aimer, mais pas qui aimer. Et les hommes brisés savent qui aimer, mais pas comment aimer. Et moi, j'ai lu, les femmes savent plus faire le ménage comme leur mère, mais savent voir comme leur père. J'en ai pleuré. Ah ouais. C'est tellement toi. Ah bah oui. Et genre, elle m'a regardé, elle fait, et du coup, tu penses à ta mère aussi? Je viens du Nord, donc oui. Bon, bah, j'ai du Toi pour lâcher ce genre de dingue, hein, voilà. Et il est content. Ah bah ouais, je suis content, bah ouais. Je suis fier de ma connerie. Mmh.
Parce qu'on le dit avec Jean, et on a rien à foutre de faire passer pour des fachos. Mais chaque mise devrait représenter leur spécificité de leur région. Moi, je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais est bourrée sur scène, limite avec le nez les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss Paca est bête à manger du foin, et que Miss Normandie ait des lâches énormes et qu'elle me fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. Même de goût ça encore. Parce qu'on est d'accord qu'on est là pour regarder les mises pour voir des culs. Et si on veut des meufs intelligentes, on regarde question pour un champion. Ouais. Je sais pas, j'avais oublié si j'avais dit à ma meuf que j'allais la chercher ou pas. Tu veux la chercher? Là, je sais, ouais, je sais pas du tout. Je sais pas s'il veut la chercher. Bon, non, on m'a dit demain, je vais te faire un. Non, bah, c'est bon. Ouais, dis demain, je vais te faire un boulot. Là, parce qu'elle doit me faire un massage au niveau des jambes. C'était mon mal au mollet, tu sais. J'en peux plus. Chuté. Il va se faire ramasser les trois jambes demain. En plus, elle est pas là, Noël. Demain, elle est pas là pour le réveillon. Ah. Voilà. Elle est chez sa famille. Tu vas pas voter? Non, non, bah, je le fais avec la mienne. Non, là-dessus, on n'est pas chiant. Mais l'année prochaine, elle le fera avec moi. Alors, c'est soit moi j'y vais, ou c'est elle qui sera. On verra, tu vois. Mais je pense que ça va être elle l'année prochaine. Tu vas venir avec mes parents, tout ça. Et je ferai avec sa famille le lendemain, ou un truc du genre. Et niveau humour, elle pensait que j'avais atteint mes limites. À toi d'atteindre tes limites niveau humour. Ah. Et bien bonne zone. T'en as une à son restaurant qui lui a dit qu'elle était grosse, tu vois. Enfin, qu'elle avait grossi. Pas qu'elle était grosse, mais qu'elle avait grossi. Enfin, la meuf, elle fait allez, 59 kilos pour 1m62, un truc du genre, enfin, je sais plus. C'est vraiment que dalle, tu vois. Pour sa taille, elle est très bien, tu vois. Puis elle est là, ouais, tu me trouves moche et tout, machin. J'arrête, j'essayais, t'as une meuf qui te dit ça. J'ai ça te perturbe et tout, j'ai faut arrêter 2 secondes, tu vois. Puis de toute façon, y'a que moi qui peux te juger. Puis ma meuf fait, ouais, dis avec toi, puis là, je suis une grosse pute. Oh non. Tu vois, c'est moi ça, c'est tout moi ça. Oh bah oui. J'ai grosse pute. Genre, elle dit putain, elle dit tu peux être gentil comme tu peux être un connard. C'est pas ça, je dédramatise la chose. Ouais. C'est pour que ce que les gens. C'est pour que quand les gens ils vont te dire quelque chose, bah tu dis bah mon copain il fait pire. Traite de grosse pute. Pas bon, hein, je m'en doutais.
m'a donné un coup de roue, tu devais pas. Ah, c'est ça, c'est ce qui me semblait, hein. Tu devais pas venir me chercher. J'ai carrément zappé. Excuse-moi, j'étais en train de jouer à la play. Ah, je devais même parler avec son collègue. Ah bah ouais, hier à 21h, bah oui, je te ferai un gros câlin et même pour la peine, je viendrai te chercher. Oh, le menteur, lui. Je m'en doutais. Ouais, parce que son collègue, en fait, un collègue à elle, genre, il est gentil, hein. Genre, rien à dire, tu vois, c'est un tout petit et le mec, il est tout dingue, tout gringalet, petit, machin. À côté de moi, c'est un tabouret, tu vois. Ouais. Alors, des fois, tu sais, pour taquiner ma copine, comme on s'appelle tous les deux Chou, bah, du coup, hey, il est pas là, Chou, il est pas là, Chou. Et au début, il commence à dire Chou à ma copine, tu vois. Puis elle dit non, non, elle dit c'est pas toi, Chou. Elle dit tu vas te faire foutre, tu vois. Puis lui, il rigole, tu vois. Il dit ouais, je te taquine, tout ça. Après, c'est ça va, ma chérie, et tout. Je dis ouais, je ma chérie, c'est bon. Je m'en branle, tu vois, qui t'appelle ma chérie. Et homosexuel pour dire un chien, c'est quoi? Je sais pas. Et pour finir, il y a pas longtemps, il lui a touché les fesses. Oh bah là. Ouais, là, ouais, si je dis, je sais, par contre, il peut. Je veux bien que vous rigoliez à dire des choux, machin, tout ça. Mais par contre, toucher des fesses, non. Il y a des limites quand même. Il va faire une bêtise là, Alex. Non. Non, j'ai juste lui casser la gueule de ce genre de mec. Temple du Drogon. Enfin, je l'ai buté. Voilà. Dégage ça. Mec, il est peut-être immortel. Putain, je m'en doutais. Attends, j'arrive. Vas-y.
consomme peut-être énormément de... Ça, mais ça va améliorer l'efficacité de mes fioles. Ah mais pas ah, j'en prends trop de temps. Bon, t'as été chercher ta copine. Non, bon, enfin, je pense que ça va venir. Putain, j'ai une crampe au ventre là, Une crampe au ventre. putain. Ouais. Arrête. J'aimerais bien. Bah 2024, enfin pas 2000, ouais, 2024, je songe à faire une sleeve. Une sleeve. Une. Une sleeve. C'est quoi ça? C'est en gros, il te coupe un morceau, un bout d'estomac et il te le, enfin, il te le, pour te le réduire en fait. Ah. Tu coupes la moitié de ton estomac pour que tu perdes du poids. C'est un bon moyen pour perdre du poids. Ouais, mais après ton corps, enfin ta peau, elle a pas le temps de s'adapter. Non, elle aura le temps. Je lui dis aura Non, mal. parce que ça va... Ça va te faire maigrir d'un coup. Du coup, ta Bah, peau, genre, elle va pendre et ça va je... pas être... Ça va pas être beau, quoi. Ah, je sais, mais bon. Si ça me permet de voir mon gag. Non mais je... Genre, si ça peut me permettre de d'être moins encombré et tout ça, tu sais. Genre là tu vois, j'ai juste à... enfin, après là j'ai passé une semaine de fou aussi. Mais regarde,
Je me baisse vite fait, j'ai des courbatures dans le ventre. La dernière fois, genre j'avais mon chat qui était sur moi, j'ai voulu juste la décaler. J'ai fait un mauvais geste et ça m'a tiré tout dans le ventre. J'ai dû me lever et me détendre, tu sais, genre faire des étirements pour dire que ça allait mieux, tu vois. Et ça, j'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois. Ouais. Après, ça dépend, ça, c'est peut-être un cancer de l'estomac, ça. Non, c'est au niveau du ventre, c'est pas l'estomac, tu vois, c'est vraiment sur les côtés. Je sais pas ce que c'est, mais. Incroyable. Peut-être un cancer du côlon. Merci J'ai lu ça sur Doctissimo. Ah ouais? Ouais. Merci. Il paraît que ça se plus 8 ans à 2. 8 ans, bon, ça va, je suis large. J'ai le temps de finir One Piece. Et encore. Ça atteint des vitesses de hit que genre c'est comme si tu tirais au fusil d'assaut quoi, c'est D'accord. inhumain comme réflexe. J'avance, je me demande pourquoi je joue à ça en fait. Ouais, je pense que c'est le moment où mon âme quitte mon corps. Il n'est que minuit, hein. Même pas minuit. Dans 4 minutes. Looking out for you.
Ça ira jusqu'à 6h du matin s'il faut, mais j'irai jusqu'au bout. J'ai plus rien à perdre là. À part la vie, j'ai plus rien à perdre, alors franchement. T'as combien d'abonnés alors sur TikTok? Hein? T'as combien d'abonnés sur TikTok? Du coup, avec la nouvelle chaîne 100. Ah ouais. Ouais. Ah non, c'est pas du tout la celle que. Enfin, Capitaine LR que j'utilisais, c'est une autre. Ah bah je l'ai pas celle-là. Si? Non, non, tu l'as pas. Mais c'est vrai que t'as. Genre moi ma chaîne TikTok de base, je vais mettre une vidéo. Genre mettons je vais mettre celle de Cal, enfin de Drake. Bah j'ai fait. Genre il y en a une, c'est Warrior Evolution, donc c'est des. Je mets des photos, c'est rare que j'en mette, tu vois. Mais je mets des vidéos de moi à la salle, tu vois, maintenant. Comme j'ai de moins en moins à la salle, ça sert à rien de faire des vidéos, tu vois. Comment dire? Un coup, j'ai mis une vidéo de Skyrim, sans le faire exprès, hein. Je m'étais trompé de compte. J'ai mis une vidéo de Skyrim où c'est l'enfant de dragon. Et je me battais justement contre Nivak. Ça s'appelle Mirok. Contre Mirok. Et la vidéo elle a fait plus de 1000 vues, plus de 1000 vues. Et quand je l'ai mis sur mon compte normal, ça a fait à peine 400 vues. Je vois, merde. Ouais, ça encore, ça dépend parce que genre l'algorithme prend ta vidéo, elle le pose à un certain type de public. Si tu repostes la même vidéo sur le même compte, l'algorithme va prendre la même vidéo, elle va le montrer à une autre tranche de personnes. Et si cette tranche-là de personnes, ça l'intéresse pas, tu vas faire moins de vues, tu vois. Bah bref. C'est l'algorithme, genre vraiment, c'est grave aléatoire. Et c'est par rapport aux gens, tu vois. Bah gars, j'ai mis la vidéo TikTok Attaque des Titans avec Bertolt qui est en train de vouloir mordre sa main. Ça fait. Ça fait. Donc Déjà deux coups, tu le fais deux fois et puis. Non mais genre ils sont invincibles. Genre ils ressentent pas les dégâts. Les mannequins Ouais. là. Ah. Bonsoir, je suis de retour pour vous jouer Wow. de. Wow.
Bouffe ton micro, Pierre, si tu veux, hein. pour moi, ouais. Ah, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Ça va ou Ça quoi? saturait, je suppose. Sinon, ça se joue à Life of Pi. Ouais. Eh ben, connais pas du tout. C'est Pinocchio, mais version Elden Ring, on va dire. C'est plutôt Elden Ring version Tokyo. Pinocchio. Ah! La merde de qui là pour avoir la bonne du hey, jeu? Je dois péter la gueule de qui pour avoir une bonne Eh hey, connexion? la raga! Quoi? Ah, je suis tout mauvais poil là! Excuse-moi, je vais te brosser dans ton petit poil, t'as fait ça. Tu veux qu'on joue un jeu en foot? Ça va aller. Tu veux, on peut jouer pour le là? Tu peux jouer à. Bon, enfin, qu'on va y pixel. Minecraft, on fait du PVP et tout. C'est plus ta grande. Non, désolé. Minecraft! Oh ouais, Minecraft. T'imagines, genre, du PVP et tout. T'imagines, genre, des gens, ils font du PVP sur Minecraft, genre. T'imagines un peu? C'est un trop chelou, quoi. T'imagines, les gens, genre, ils prennent des épées et tout en netherite, ils prennent un full stuff netherite, et genre, ils se battent. Je vais fouiller. Tu penses chinois avec moi. T'as arrêté au diamant. Hein. Mais la netherite, tu. Mais attends. Ça fait un an et demi ou quoi? T'es plus joué au jeu? T'as jamais joué au jeu. T'as jamais joué au jeu? J'ai joué à ses débuts et après ça m'a. Ah, ok. Parce qu'en fait, en gros, genre, la netherite, c'est au-dessus du diamant maintenant. C'est une nouvelle. Ah, ok. Super dur. Hein? Ah ouais ok c'est genre ah ouais ok je m'en bats les couilles Ah ok d'accord non je parle pas sinon ça qui prend de bon bah là j'attends ma meuf toujours la même hein ça dépend j'en ai deux J'ai deux femmes. T'as tapé. Non. Bon, là, il veut fuir, ça m'énerve. Il est quand même avancé dans le jeu, mais bon. Bah, j'ai avancé, j'ai battu quelques vilains et je me suis retrouvé à un point de contrôle. Donc, pour moi, j'appelle ça avancer. Ah, j'y vais doucement, mais sûrement. Le lièvre et la tortue, tu connais. Une fin. Ah, la cigarette est fermée. Mm-hmm.